L'esprit découpe ses cartes abîmées. L'oracle gémit, murmure prophétie cachée. Rose et son guide aux ailes étincelantes. Elle voit les destins comme des jouets flottants. Tarot de Marseille sous la lune voilée. Les arcanes dansent des secrets révélés. Mademoiselle les Normands chuchote doucement les chemins de l'amour et pas vacillants. Sous l'étoile de Marie, nous sommes guidés. Les cartes sont magiques, nos âmes libérées. Voyageons vers l'avenir sans peur ni entrave. Main dans la main, vers tes rêves graves. Bonjour à tous, c'est Marie. J'espère que vous allez bien. À l'heure où je vous fais cette vidéo, il est 4 heures. Il est 4 heures. Je fais de l'insomnie en ce moment. Bon, ça arrive hein, des fois, 2-3 jours d'affilée, et puis après, hop, je récupère. Voilà. Alors, comme mon bureau est pas loin des chambres, j'ai décidé de venir plutôt travailler sur la table de ma salle à manger, parce que quand je fais de l'insomnie, j'aime pas trop rester devant la télé, tout comme ça, c'est agaçant, c'est déprimant. Donc voilà, je suis dans ma petite salle à manger et avec ma doudoune qui s'est levée avec moi. Donc, j'ai ouvert les volets et je me suis mis mon petit écran de veille automne. J'adore ces écrans là, c'est reposant. Et puis alors là, quel rêve, ce genre d'intérieur de maison un peu cosy. J'adore. Donc, voilà. J'avais envie de vous partager ce petit côté insomniaque où je vais en profiter pour finir le Pavlov. Voilà, il me reste 4 petites cartes. Je pense que je vais les finir. Voilà. Hein. Avant que tout le monde se réveille. Sachant que j'ai des rendez-vous. La fille, c'est toujours quand il y a des rendez-vous du matin que je fais ce genre d'insomnie. Mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que ça n'est pas une insomnie fatigante. C'est une insomnie tout court. Comme ça arrive. Voilà. Et puis, bon, je vais regarder, hein, ça fait un petit peu partie, on va dire, des pathologies, comment dire, chroniques. Hein, entre autres, le changement d'alimentation par rapport au diabète. Ça le fait, je suis contente. Je suis contente parce que ça m'a fait perdre pour le moment 12 kilos et j'adore mon nouvel équilibrage alimentaire. Sauf que ça, bah, ça dérègle un petit peu. Et puis, bah, depuis mon opération, il y a une dizaine d'années, bah, les choses ont changé aussi, cette espèce de ménopause artificielle là qui te met dans des états pas possibles. Et donc voilà, l'insomnie en fait partie. Bon, c'est des choses auxquelles il faut s'adapter. C'est ce que je fais. J'ai pris sous les conseils de mon toubib. Et qui m'a dit, tu sais,
quand tu as des passages comme ça, parce que moi, il était hors de question. J'ai déjà, on va dire, 8 médicaments différents à prendre par jour. Et ça me suffit largement, sans compter que de temps en temps, il y a des anti-inflammatoires et tout pour les douleurs, des tendons, tout ça, qui font partie des effets indésirables du diabète. C'est pour ça qu'il faut beaucoup marcher, d'ailleurs. Chose que je ne fais pas actuellement, parce que le temps ne le permet pas. Du coup, prendre des médicaments pour un sommeil artificiel, ça c'est hors de question. Ça va ma doudoune? Doudoune, alors ma chérie, ça va? T'es mimi, tu m'accompagnes mon bébé, t'es mignonne. Et du coup, il me dit, bah, à ce moment-là, le mieux c'est plutôt que de tourner en rond et de faire travailler le ciboulot, hein, comme on dit, eh bien c'est de t'occuper à quelque chose que tu aimes. Et c'est tellement mieux que les médicaments. Donc là, oui, c'est un petit partage aussi, pour vous montrer ce que du coup je fais, hein. Quand je fais de l'insomnie, et eh bien je me détends, je prends des jeux là comme ça et je me détends. Donc là en premier, ben, je vais finir Pavlov, il est magnifique. Ensuite, j'avais envie de faire un petit tirage test avec le tarot des gardiens de la nuit. Il n'y a pas longtemps que je l'ai, et donc voilà, j'avais très envie. Et puis, bien sûr, sortir le petit Lenormand dans les thèmes. Et puis, j'avais envie de parler aussi, de voir un petit peu avec ma guide. Pourquoi? Parce qu'il s'est passé aussi quelque chose il n'y a pas longtemps. Il y a, alors, on a appris la nouvelle hier. Donc, hier, c'était vendredi, jeudi et mercredi. Voilà, mercredi, j'étais vraiment pas bien du tout. J'étais mais vraiment pas bien, je sentais. Et puis, en m'endormant, en fait, j'ai entendu, comme ça fait à chaque fois que j'ai des appels, des choses comme ça. Et alors là, c'était pas ma guide. J'ai pas reconnu le sens de la communication avec ma guide. Et voilà, on m'a informé qu'un homme allait partir et que ça allait surprendre. Bon, alors je l'ai pris comme ça, mais j'avais comme d'habitude, hein, les joues qui brûlaient. Ah, ça stresse au niveau de la poitrine et du cou, voilà, cette oppression, comme quelqu'un, vous voyez, l'état où on est quand on nous apprend quelque chose qu'on n'aime pas, ou quand on se fait engueuler, enfin, voilà, cet état-là, quoi. Du coup, au lever, j'en ai tout de suite parlé à maman. Je lui ai dit. Je lui ai dit, vous allez, et c'est important les mots, apprendre le départ d'un homme auquel
vous allez pas y croire, quoi. Voilà. Et il me dit pourquoi nous. Parce qu'en fait, c'est vrai que dans ce ressenti, je me sentais pas concernée. C'est comme si ça appartenait à, ça va tout à maman et à sa famille, en fait. Et donc le jeudi, enfin le mercredi, le jeudi, bon bah du coup voilà, on continue nos petites affaires, quoi. Et puis bah, hier, maman m'a dit oh la vache, voilà, là, ça, c'était la réaction. J'ai dit bah, qu'est-ce qui se passe? Il me fait tu sais, mon ami dit Pierre, alors je dis oui. Il fait vas-y, il dit son père est décédé. Je dis tu le connaissais bien? Ben, je dis oui. Je dis, on a fait notre enfance ensemble. Et puis ses parents étaient proches de mes parents. Mais il dit ça me fait bizarre, quoi. Et j'ai dit pourquoi? Et il dit parce que cet été, il est venu me voir au magasin. C'était en août. Et il fait, mais voilà, il était tout gai. Il a acheté un truc. Enfin voilà, il dit, mais vraiment, je m'attendais pas à celle-là. Et. J'ai dit, tu sais de quoi il est mort? Et puis il me fait, bah tu sais, il fait, c'est ça le truc bizarre aussi, parce que quand il est venu, il m'a demandé des nouvelles de mes parents, et je lui ai raconté pour ma mère, quoi, qu'elle vient de se sortir d'un cancer de l'estomac. Et il fait, devine quoi? Il est décédé d'un cancer de l'estomac. Mais il fait, ce qui est bizarre dans la vie, c'est que au moment où on a eu cette conversation, il était loin de se douter que lui, il avait un cancer à l'estomac. En fait, il a été diagnostiqué en septembre. D'un coup, ça n'allait pas. Ils ont tout de suite fait les examens, ils ont diagnostiqué ce cancer à l'estomac. Et ils ont annoncé que c'était trop tard, donc c'était brutal, quoi. Et vous voyez, 2 mois après, il est parti. Et disons que ça a choqué un peu tout le monde, parce que c'est un homme qui ne buvait pas, qui ne fumait pas. Et c'était choquant parce que aussi, bah parce que c'est un homme qui avait que 72 ans. Donc voilà, pas si vieux. Et encore, c'est autour de nous ce cancer, l'estomac, qu'on n'arrête pas d'entendre. C'est pénible. Et donc du coup, bah, il prévient ses parents, évidemment. Il prévient ses parents et après il me dit, mais il me fait, tu vois pas le lien? Je lui dis, ben quoi le lien? Il fait, qu'est-ce que tu m'as annoncé mercredi? Ah, je dis, oh punaise. Et oui, voilà. Donc, ça met aussi le mouron, tout ça. Ça met le moral un petit peu en friche, comme on dit. Et puis, cette insomnie aussi qui est agaçante, mais je me suis aperçue hier,
Il y en a qui parlaient d'une nouvelle lune, là, je sais pas quoi, la nouvelle lune en scorpion. J'ai vu ça tout à l'heure en me levant. Ah, c'était hier, je crois. Ou avant-hier, je ne sais plus. Bah, j'ai dit, voilà, je comprends. À chaque fois, je m'en occupe jamais de cette lune-là, que ce soit nouvelle, quartier, machin. Parce que l'astrologie, les planètes, tout ça, j'y connais rien. C'est quelque chose où il faut être vraiment dedans. Voilà. Donc, si vous voyez Doudoum se gratter, vous voyez là, c'est qu'elle a été traitée. Parce que toutes les transitions de saison, elle nous fait comme d'habitude son espèce d'eczéma. C'est comme une allergie, je sais pas, on ne sait pas ce que c'est. Et c'est pour la perte de poils, parce qu'elle a un poil très 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 épais. Et donc voilà, là son poil il est crasseux, elle n'est pas contente parce que bah, hier on lui a fait la petite le petit traitement, donc ça dégueulasse un petit peu. Voilà, et puis bon, bah, à chaque fois le traitement a passé une ou deux jours comme ça à se gratter et tout, mais après voilà, tout disparaît autour des yeux, parce que c'est beaucoup autour des yeux. Tu vois, tout me fait voir. Oh mon bébé, regardez ici là, bon, elle veut pas montrer. Voilà, c'est autour des yeux, et puis du coup, voilà. Enfin, elle nous fait ça à chaque changement de saison, comme des petites allergies. Bah alors, elle adore se frotter contre mes yeux. Voilà, bon, bah, c'était pour vous partager tout ça. Alors, je vous parle, bah, vous devez dormir. Et moi, je vais travailler tranquillement. Et puis, donc, si je vous ai raconté cette petite histoire, c'est parce que j'essaie de contourner Doudoune. Je vais parler un petit peu, je vais me connecter un petit peu avec ma guide, mais pourquoi pas essayer de voir avec papa, avec Matolin, voilà, ma petite mamie chérie. Bon, elle, j'ai plus de connexion avec elle, hein, je sais pas, bon, en même temps, ça fait une trentaine d'années maintenant. Presque 30 ans, sinon 30 ans, parce que j'étais enceinte de ma fille aînée, et ma fille aînée a 29 ans maintenant, donc oui, voilà. Et peut-être que, voilà, enfin, j'avais senti en fait qu'il y avait eu une évolution de sa part, mais bon, je vais voir pour aller peut-être en connexion un peu plus haute. Voilà, juste pour me libérer un petit peu, juste pour des petits messages de bien-être. J'en demande pas plus, je suis pas comment dire, je ne suis pas accrochée à dire je veux savoir ceci, je veux savoir cela. C'est juste que de temps en temps, voilà, comme là, quand il y a une surcharge, quand il y a quelque chose qui se passe, c'est pas tous les jours encore heureux, mais voilà, quand il y a quelque chose d'un peu marquant qui se passe, j'aime me connecter à. Juste pour en parler, voilà, pour en parler et puis pour avoir, entre guillemets, leur lumière. Ça fait du bien. Donc, voilà, aujourd'hui, je vais le faire par les cartes. Voilà, bon, ben voilà, c'était un petit mot, 4 heures du matin. Et puis, je vous souhaite plein de belles choses pour cette journée. Faites ce qu'il vous fait du bien, j'arrête pas de le dire, quelle que soit la situation. Bien sûr, il y a des situations qui peuvent être très 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 dures, surprenantes même, mais vraiment, pensez à vous, pensez que
On est là pour évoluer, bien sûr, chacun à sa manière, dans les événements qui arrivent soudainement, heureux ou moins heureux. Mais faites le plus possible ce qui peut être bon pour vous. C'est très important. Et je vous dis à une prochaine vidéo pour des partages autres. Voilà, tout simplement. Et je vous embrasse tous très, très, très fort. Et toi, Doudounou, toi aussi? Toi aussi? Ou tu fais... Oh, oui, tu fais bisous à tout le monde. D'accord. Allez, ciao, ciao.